on me nomme Denix Moreau, puisque je suis le libraire de LibraireX depuis 15 ans maintenant. Et où se situe LibraireX ? Donc LibraireX à Bourges, dans la vieille ville. Donc on est tout près de la place Gordon, qui est le cœur historique de la ville de Bourges. Donc, okay. Précisément 43 rue Courcelles. C'est librairie indépendante, c'est-à-dire qu'on choisit les livres qu'on met en rayon dans notre magasin, on choisit avec les représentants, évidemment, il y a un peu de pression commerciale toujours, mais par contre, voilà, on essaye de mettre en avant nos coups de cœur, on essaye de, voilà, de promouvoir les jeunes auteurs. Okay. Bon, il y en a plein toujours, j'en ai jamais un seul de toute façon, donc... là autour de moi, voyons, celui-ci par exemple, Une île sur la Volga. C'est un jeune auteur orléanais qui s'appelle Ilouane Lepang, qui aime bien écrire du western, mais sans le contexte western. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment à chaque fois dans une espèce de petit village qui pourrait se trouver au Far West, sauf que là, on est en pleine Russie. Et on suit une famille qui s'est établie sur une petite île sur la Volga, qui voulait quitter la vie trépidante moscovite, et qui se retrouve confrontée en fait à la mafia locale. C'est-à-dire qu'ils retapent une ferme, ils construisent un bâtiment, et un jour ils sont alpagués par quelqu'un, ils disent bah, « est-ce que vous avez demandé un permis de construire ?» Il fallait payer pour ça. Et voilà, et c'est l'engrenage qui commence, en vase clos, vraiment avec quelques personnages. Et puis c'est on voit le côté dramatique et le côté milieu pourri russe. Et voilà, c'est vraiment une atmosphère qui s'est créée, avec en plus un univers coloré qui est assez basique, mais qui est vraiment efficace. C'est du jaune, du rouge et des niveaux de gris. Mais ça donne vraiment une ambiance super sympa à son bouquin. Et vraiment ça, voilà, ça fait partie des choses qui sont pas forcément très grand public à la base, mais que nous, on aime bien défendre parce que c'est des bouquins qui sont un petit peu hors norme, quoi. Okay. La passion, tout simplement. J'étais client de la librairie pour commencer. Et quand j'ai appris que la librairie était à vendre, j'ai quitté mon premier métier et je me suis lancé tête baissée en me disant je vais pouvoir lire tout ce que j'ai envie de lire. Et ça, c'est pas tout à fait vrai. Il y a les contraintes du quotidien, les livraisons, les factures, la compta à gérer et tout ça. Mais voilà, c'est un métier passionnant parce que voilà, mon premier plaisir, c'était la lecture. Mon deuxième, c'était de pouvoir accueillir des auteurs comme toi aujourd'hui. Et je me suis fait plaisir dès le premier mois où j'ai eu la librairie de pouvoir faire venir des auteurs. Et puis voilà, petit à petit, on a fêté les 40 ans avec l'un de ces auteurs il y a un mois. Et ça continue à grossir, à grandir, et c'est pour moi le meilleur moyen de promouvoir sa passion, c'est ça, c'est d'accueillir des auteurs qui parlent de leur métier, qui parlent de leur passion aussi. Et puis bah, le réseau de clients se fait aussi grâce à ça, parce que ce sont aussi des passionnés, et quand ils rencontrent quelqu'un de passionné comme moi, on a des discussions sur nos lectures, sur nos derniers coups de cœur, pas forcément les miens d'ailleurs, j'ai des coups de cœur de clients que je découvre après coup et que je retransmets à d'autres clients ensuite. C'est vraiment l'échange, voilà, c'est ça, la passion et l'échange. Et bien, qu'ils viennent nous voir, qu'on passe un moment à discuter de nos lectures et puis leur faire découvrir des nouvelles choses, tout simplement.